Lucie Jurin nous a échappé il y a 15 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Une époque où nous étions, disons, moins organisés. Ramal a pris à Gabriel de la laisser filer, la petite l'a retrouvée. Après 15 ans, ça ne manque pas d'un certain panache. Pour le reste, Lucie n'est qu'une victime. Comme toutes les autres. C'est si facile de créer une victime, mademoiselle, si facile. Vous enfermez quelqu'un dans une pièce noire, il commence à souffrir. Nourrissez cette souffrance de façon méthodique, systématique et froide. Et que cela dure. Votre sujet passe par des états multiples. Au bout d'un temps, son traumatisme, cette petite fissure si facile à fabriquer, lui fait voir des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'elle voyait, votre pauvre Lucie? Quoi, elle ne voyait rien? Pas même quelques monstres? Des choses qui voulaient lui faire du mal? Une morte. Voilà. Une morte. La fille que vous avez trouvée, Sarah Dutreuil, elle voyait des insectes, des cafards, des blattes partout qui couraient sur elle. Ce serait trancher le bras plutôt que de supporter ça. Les gens n'envisagent plus de souffrir, mademoiselle. Le monde est ainsi fait qu'il n'y a plus que des victimes. Les martyrs sont très rares. Un martyr, ça, c'est autre chose. Un martyr est un être exceptionnel, mademoiselle. Il survit à la souffrance, il survit à la privation de tout. On charge des maux de la terre et il s'abandonne. Il se transcende. Vous comprenez ce mot? Il se transfigure. Province de Longsheng, 1912. Cette femme ne croit pas en Dieu. Elle a essayé de voler une poule et elle le paie très cher. Au moment où la photo est prise, elle est encore vivante, regardez ses yeux. Jean Lussac, 1945. Cette femme est épicière, elle a couché avec un boche à l'époque. Le français est susceptible, il faut qu'elle paie. Elle est vivante, regardez ses yeux. Hôpital général de Birmingham, 1960. Cette ménagère, athée, sans histoire, est en phase terminale de cancer. La morphine n'a plus d'effet sur elle. Regardez ses yeux. Celle-ci a été battue par son mari. Crise de jalousie, une démence imprévisible. Celle-là vient de passer 9 heures dans la carcasse de sa voiture. Cette jeune leucémique vit ses derniers instants. Le mal rend. Celle-là, atteinte de maladies rares, n'est plus que souffrance. 9 heures d'agonie avant que les pompiers ne la guérissent. Regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Toutes, mademoiselle, vous m'entendez? Elles étaient toutes vivantes quand la photo a été prise. Et allez me dire après ça que le concept du martyr est une invention des religieux. Qu'on a tout essayé, même les enfants. Il se trouve que les femmes sont plus sensibles à la transfiguration. Les femmes jeunes. C'est comme ça, mademoiselle.